on va hors Sidrim depuis le Prix de Bretagne. Comment ça s'est passé pour lui ces trois dernières semaines? Le cheval est rentré indemne de suite à l'accrochage, donc ça c'était déjà la première chose à vérifier. Et puis il a continué de travailler tout bonnement. Voilà, tout va bien. D'accord. Ouais, c'était vraiment le coup malheureux ce jour-là. Oui, on va pouvoir faire un étalage. Non. Ça arrive, c'était un fait de course. Le principal c'était qu'il rentre indemne sur. D'accord. Comment vous l'avez préparé depuis? Est-ce qu'il est allé à Grosbois ou plutôt à la campagne? Ben, il est arrivé à Grosbois seulement samedi dernier. Voilà. Sinon, il est resté s'exercer à la campagne. D'accord. Donc, les deux derniers boulots, on va dire, ils auront été faits à vous. Et comment l'avez-vous trouvé, justement? Ben, plutôt bien, rien à dire. D'accord. Par rapport à l'année dernière, est-ce que vous sentez encore avoir un cheval qui a évolué? Bah, physiquement, oui, il a évolué, il est plus épais, d'accord, plus puissant. Ouais. Bon, forcément, on cherche à le qualifier pour le Prix d'Amérique. Comment abordez-vous le Prix de Bourbonnais où, bien sûr, il va y avoir la même opposition que le Prix de Bretagne avec 2-3 clients supplémentaires? Voilà, le plateau est encore très relevé, je pense. Bon, je l'aborde, je vais rester comme d'habitude, je vais rester calme. Je pense que le cheval, il faut lui faire sa course sans péter les plombs et il se qualifie, c'est bien, il se qualifie pas, c'est pas grave, on a encore d'autres courses, on n'est pas à courir non plus. Je veux pas qu'on perde notre sang-froid dans la préparation du cheval, il n'est pas encore à 100%, il est bien. Voilà. Le but, c'est de se qualifier en ayant une bonne course et puis si c'est pas le cas, ce sera pour la prochaine. Hein. On va pas s'exciter, c'est important de se qualifier, mais je pense qu'il faut rester calme. D'accord, ouais, c'est ce que vous dites souvent, justement, c'est rester serein et pas faire n'importe quoi, pas précipiter les choses. Non, c'est ce qu'on essaie de faire avec depuis le début, donc on va essayer de continuer dans cette philosophie-là.